Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, je suis très heureux de partager ces instants avec vous. Je voudrais parler aujourd'hui du sujet très important de la nouvelle créature. Une nouvelle créature en Christ. La Bible nous dit en effet dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Ce passage, pour moi, est l'un des plus importants de toute la Bible. Peut-être même le plus beau de toute la Bible. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et l'expression « en Christ » est une expression typique à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'utilise plus de 150 ou 160 fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La venue du Christ sur la terre est sans aucun doute l'événement le plus important de tout l'univers entier. Et il est important pour chacun d'entre nous de comprendre l'importance de ce que cette expression revêt, être en Christ. Pour Paul, être chrétien se résume en ces deux mots, être en Christ. Es-tu en Christ ou es-tu simplement en la religion ou en l'Église? Paul sépare les hommes et les femmes. Il divise la race humaine en deux catégories. Ceux qui sont d'une part en Christ ou ceux qui ne sont pas en Christ. Et il dit, si quelqu'un, quiconque, remarquez avec moi que cet appel est universel. Tout le monde peut être en Christ. Dieu veut que tout le monde soit en Christ. Et si quelqu'un est donc en Christ, il est une nouvelle créature. Nous allons voir ensemble quelques caractéristiques de cette nouvelle créature. Le grand prédicateur, Dr. Martin Lloyd-Jones, disait, je suis d'accord avec lui, que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous chrétiens, eh bien, ces problèmes-là sont directement liés à notre compréhension ou non des doctrines centrales, des doctrines importantes de la parole de Dieu. Et je suis convaincu que la plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés, eh bien, sont liés directement à notre compréhension ou non de cette doctrine, de cet enseignement. Qu'est-ce que cela veut dire qu'être en Christ? Être en Christ détermine toute notre identité. Eh bien, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous concevons est fondamentalement ancré dans notre perception personnelle de notre propre identité. Qui es-tu? Dieu a demandé à Jacob. Eh bien, ce que tu fais, ce que tu as, ce que tu gagnes, ce que tu produis, n'est que le résultat, la conséquence de ce que tu penses que tu es. Il y a des espions qui sont allés espionner la terre promise de Dieu et qui sont revenus à croire que eux-mêmes, à leurs propres yeux, ils étaient comme des sauterelles. Mais si à tes propres yeux, tu es comme une sauterelle, que peux-tu représenter aux yeux de tes ennemis? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cet enseignement nous apprend aussi à comprendre réellement ce que cela signifie que d'être chrétien. Vous voyez aujourd'hui, bien-aimés, à cause de la multiplicité de religions et à cause de la société de consommation dans laquelle nous vivons, aujourd'hui, les gens pensent que être chrétien se résume simplement à adhérer à une forme de religion. Ouais, tu es musulman, je suis chrétien. Ou de passer d'une église à une autre. Oh, j'aime bien cette église-là, mais si elle n'est pas bien, je vais passer dans une autre église. Mais remarquez avec moi que la Bible ne fait mention aucunement de catholiques, ni de protestants, ni de méthodistes, ni de baptistes, ni d'évangéliques, ni de pentecôtistes. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ceci est le test, est un test de ta foi chrétienne. Bien-aimé, toi qui me suis. Connais-tu cette nouvelle créature? Cette nouvelle créature est-elle en toi? Te réjouis-tu de cette nouvelle créature? Il m'arrive quelquefois de me regarder dans le miroir et de me demander, mais Seigneur, qu'as-tu fait de moi? Je ne comprends pas qui je suis devenu. Je sais que je n'étais pas cette personne il y a quelques années. Mais tu as fait de moi quelqu'un de nouveau, quelqu'un de complètement différent. Et je me réjouis de cette nouvelle personne qui est en moi. Oh, Helen Bella, cette chanteuse de gospel, a fait un chant très, très, très intéressant dans lequel elle disait, cet ancien amant venait à moi. Il a reconnu les habits, mais derrière ses habits se cachait une nouvelle personne. Il y a une nouvelle créature en toi. La première caractéristique de cette nouvelle créature, et c'est presque un pléonasme, cette nouvelle créature est créée. Cette nouvelle créature est créée. Le livre de Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 20, nous dit ceci. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. » Au verset 24, la Bible dit « Et à revêtir l'homme nouveau. » Ça, c'est la nouvelle créature. L'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La première caractéristique donc de cette nouvelle créature, de cet homme nouveau, c'est qu'il est créé. Vous voyez, par opposition au vieil homme qui se détruit, au vieil homme qui meurt, l'homme nouveau est créé. D'un côté, il y a un processus de décadence, un processus de dégradation, un processus de mort. Et de l'autre côté, il y a un processus de création. Et quand on parle de création, on parle de quelque chose de nouveau. On parle de quelque chose de frais. On parle de quelque chose d'énergique, d'énergétique, quelque chose qui est rempli de vie. D'un côté, il y a un commencement et de l'autre, il y a une fin. Et ce qui est important, c'est que cette nouvelle créature a été créée à partir de rien du tout. Vous voyez, quand la Bible dit dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit en hébreu, « Bereshit bara Elohim ». Bara, c'est le mot hébreu, c'est un mot hébreu qui se traduit « créer » en français aujourd'hui. Mais le mot « bara » à ceci de différent. C'est qu'il signifie la création à partir de rien du tout. Dieu a créé à partir de rien du tout. Et c'est la même caractéristique pour la nouvelle créature. Elle est créée à partir de rien du tout. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Le nouvel homme n'est pas une amélioration du vieil homme. Le nouvel homme n'est pas un processus graduel d'amélioration du nouvel homme, du vieil homme, pardonne-moi. Le nouvel homme est un homme totalement nouveau. Il est une nouvelle création. Dieu a fait quelque chose de nouveau, il a mis cette nouvelle création en nous. Si nous ne comprenons pas cela, eh bien, tout notre christianisme en pâtit. Le chrétien n'est pas simplement quelqu'un qui essaie d'améliorer sa conduite morale ou d'améliorer sa vie. Le chrétien est quelqu'un de nouveau. Et il y a même un prédicateur qui allait jusqu'à dire, et je suis d'accord avec lui, il est une espèce qui n'a jamais existé auparavant. Beaucoup de gens pensent qu'être chrétien, c'est simplement améliorer notre conduite. C'est vrai qu'il y a un code de conduite et nous devons être parfaits, comme la Bible nous le dit. Nous devons être saints, nous devons vivre d'une certaine manière. C'est le code de conduite des Israélites, des Juifs, qui faisait la distinction entre eux, le peuple choisi de Dieu, et les autres peuples qui les entouraient.
Mais dans cette dispensation, la dispensation de l'Esprit, où Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, crée un homme nouveau et le met en toi, bien-aimé, être chrétien ne signifie pas simplement, ne se limite pas simplement au fait que nous sommes devenus de meilleures personnes morales. Non, il existe en nous un être spirituel nouveau. Et il est important pour chacun d'entre nous, pour toi et moi, de comprendre qu'en nous, il y a quelqu'un de nouveau. Il est très important pour nous de comprendre ceci. Quand Jésus parla à Nicodème dans le livre de Jean au chapitre 3, et qu'il disait à Nicodème, ce grand chef religieux qui était censé comprendre les choses de Dieu, il disait à Nicodème, en vérité, je te le dis, si quelqu'un de naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui disait, comment quelqu'un peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Et Jésus lui a fait cette remarque très intéressante. Il dit, Nicodème, il ne faut pas confondre les choses. Et je paraphrase. Nicodème, il ne faut pas confondre les choses. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Bien-aimé, Dieu ne mélange pas la chair à l'esprit. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu a mis en nous un nouvel être spirituel. Non seulement il est créé, mais la Bible nous apprend qu'il est créé selon Dieu. Il est créé selon Dieu. Non pas seulement créé par Dieu, mais il est créé selon Dieu. Il est créé selon l'image, la ressemblance, la nature de Dieu. Vous voyez? Il est un être spirituel. Il a une dimension naturelle, il a une dimension spirituelle. Nous savons tous que Dieu a créé l'homme pur et sans péché. Et l'homme, par sa désobéissance, s'est éloigné de Dieu. L'homme, par sa désobéissance, a perdu cette pureté. La grande tragédie de la chute de l'homme, à mon sens, est que l'homme est resté seulement dans la dimension animale. Vous voyez, l'homme a été créé spirituellement pur, dans la communion parfaite avec Dieu, selon l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et le péché, cette intrusion du péché, a fait perdre à l'homme sa dimension, sa vie spirituelle. Et l'homme n'est devenu qu'un simple animal qui réfléchit. Paul fait référence à l'homme animal dans le livre de Corinthiens. Il dit « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. » Et c'est la plus grande tragédie du péché pour moi. Parce que l'homme aurait dû périr entièrement, que de rester un homme, mais un homme animal, qui est conduit par toute forme de passion animale. Comment pouvez-vous expliquer que des hommes se détruisent plus entre les hommes que les animaux ne se détruisent entre les animaux? Les hommes se font des guerres entre eux. On n'a jamais entendu parler d'animaux qui se font autant de guerres, autant de ravages que les hommes n'en font de ravages. Mais dans la nouvelle création, dans la nouvelle créature, dans l'homme nouveau, Dieu restaure la dimension perdue de l'homme. Dieu restaure la pureté de l'homme. Dieu restaure la justice de l'homme. Dieu restaure la perfection de l'homme. Dieu restaure la domination de l'homme. Dieu restaure la dimension spirituelle de l'homme. C'est une nouvelle créature. La deuxième caractéristique dont je voudrais parler, c'est que cette nouvelle créature est née de Dieu. Et cela est très important. Il nous faut comprendre que nous sommes nés de Dieu. Dieu nous a engendrés. Tu es peut-être né d'un père et d'une mère, mais spirituellement, tu es né de Dieu si tu es un enfant de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, l'autorité. Le mot grec ici, c'est exousia. Ça veut dire l'autorité, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est abusif d'entendre souvent les gens parler et dire que nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, tous les habitants de la terre ne sont pas enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais certains ne sont pas enfants de Dieu. Cette nouvelle créature est donc née de Dieu. Et par la vertu de cette nouvelle naissance, nous avons ainsi l'adoption. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose sur l'adoption. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé de penser à ceci. Mais quand on adopte, on n'adopte pas parce qu'on est forcé d'adopter.
Quand on adopte par un choix délibéré. Quand vous allez à l'orphelinat, vous voyez des dizaines d'enfants et vous choisissez ce que vous voulez adopter. Si tu es un enfant de Dieu, de toute cette multitude d'enfants, Dieu a choisi de t'adopter. Par la vertu donc de cette nouvelle naissance, nous sommes ainsi adoptés dans la famille de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 15, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Alléluia. « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Le mot hébreu pour dire « Père », c'est « Av ». Abba, Abba veut dire papa. Et nous pouvons appeler Dieu papa. Ça me ferait un sentiment vraiment étrange que mon fils s'arrête devant moi et qu'il m'appelle père. Non, mais ça me fait une grande joie quand mon fils m'appelle papa. Quand je reviens du travail et que j'ouvre la porte et j'entends ma petite fille m'appeler papa. Et voilà la relation que nous avons avec Dieu. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Nous sommes tous membres d'une même famille. Nous avons le même père. Nous sommes tous membres d'une même famille. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu es, d'où que tu me regardes, et même si tu me regardes dans un pays lointain, toi et moi sommes plus frères que mes frères biologiques, si mes frères biologiques n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ avec eux. Parce qu'il arrivera un temps où Dieu séparera la bonne herbe de l'ivraie. Alléluia. Et toi et moi serons dans la joie du Seigneur. Et nous verrons la réalité de notre relation spirituelle. Par la vertu de cette nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu habite en nous. Il n'y a aucune religion dans le monde où l'homme peut trouver une nouvelle créature. Sauf en Christ. Par la vertu de cette nouvelle naissance, donc, Dieu vient habiter en nous. Écoute, bien-aimé, Allah n'habite pas dans le musulman. Bouddha n'habite pas dans le bouddhiste. Mahomet n'habite pas dans le musulman, mais Dieu habite en nous. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en nous, nous sommes ses enfants. Dieu nous parle et nous entendons la voix de Dieu. Et nous marchons avec Dieu. Nous avons une relation intime avec Dieu. La nouvelle créature, elle est créée selon Dieu, mais elle est aussi née de Dieu. La Bible nous dit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien-aimé, là d'où tu sors ta victoire sur le monde, c'est dans la nouvelle créature. Plus tu t'habitues à la nouvelle créature, plus tu cherches à comprendre la nouvelle créature, plus tu cherches à laisser la nouvelle créature vivre au travers de toi. Bien-aimé, Dieu veut vivre au travers de toi. Dieu ne te demande pas de vivre par tes propres forces pour lui, mais il te demande simplement de le laisser vivre à travers toi. Ça veut dire quoi? Réveille-toi de cette nouvelle homme et laisse-le vivre à travers toi. Plus tu le laisses vivre à travers toi, plus tu cherches à découvrir cette nouvelle créature, plus tu as la victoire sur le monde, plus tu triomphes du monde. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Cette nouvelle créature a une autre caractéristique tout aussi importante. La nouvelle créature est justifiée, elle est pardonnée. Elle est justifiée, entièrement justifiée. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. J'ai rencontré beaucoup de gens dans l'église, dans le ministère, qui ont des sérieux problèmes, des difficultés à accepter la doctrine de la justification par la foi. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. En ce qui concerne ta justification, si tu es un enfant de Dieu, l'affaire est dans le sac. Dieu t'a rendu juste de la justice de Dieu par Christ. Il a été fait pour nous justice, sanctification. Il a été fait pour nous sagesse. 1 Corinthiens 1:31.
Cette nouvelle créature est justifiée. Cette nouvelle créature est aussi sanctifiée. Sanctifiée veut dire elle est mise à part, elle est séparée. Dans toutes ses épîtres, Paul s'adresse aux chrétiens et il les appelle les saints. Les chrétiens sont les saints. Bien-aimé, un saint, ce n'est pas quelqu'un qu'on allait déterrer de la tombe plusieurs centaines d'années après sa mort, celui qui en a versé quelques gouttes d'eau et qu'on a béatifié. Non, un saint, c'est celui qui est séparé en Jésus-Christ. C'est celui qui a été mis à part en Jésus-Christ. En parlant à ses disciples, Jésus-Christ disait dans le livre de Jean, chapitre 15, « Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Il doit avoir quelque chose dans le chrétien qui le distingue, qui le sépare, qui le met à part. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit « Séparez-vous, sortez du milieu d'eux, afin que Dieu vous reçoive. » Dieu nous a séparés. Je vais vous lire un passage dans le livre de Deutéronome chapitre 7, du verset 7 au verset 8. La Bible dit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. » Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Dieu sépare. Dieu sépare. Et la nouvelle créature est donc une créature non seulement sanctifiée, elle est justifiée, elle est pardonnée. Si tu es un chrétien, Dieu t'a pardonné. Il est temps que tu te pardonnes toi-même et que tu pardonnes aussi aux autres. Oh, elle est merveilleuse, cette nouvelle créature. Avant de conclure, laisse-moi te dire encore une autre caractéristique rapidement de cette nouvelle créature. La nouvelle créature est bénie. La nouvelle créature n'est pas maudite, elle est bénie. Bien-aimé, la bénédiction est un statut, c'est une position. Elle ne se détermine pas par tes possessions matérielles. Beaucoup de gens veulent faire croire que la bénédiction se définit par les possessions matérielles. C'est un mensonge qui vient du fin fond de l'enfer. C'est la bénédiction qui cause les bénédictions. Ce n'est pas les bénédictions qui définissent ce n'est pas les possessions qui définissent la bénédiction. La Bible dit « La bénédiction de l'Éternel rend riche, elle enrichit. » Il faut être béni avant d'être enrichi. Abraham était béni en Genèse 12 et en Genèse 13. Sa bénédiction s'est manifestée par les possessions. C'est le diable qui veut te faire croire que c'est les possessions qui déterminent ta bénédiction. Non, mais tu dois être centré dans la bénédiction. Tu dois te définir en tant qu'un peuple élu, une race élue, une nation sainte, un homme béni avant de voir la manifestation de cette bénédiction. Alléluia. Cette nouvelle créature est bénie. Et laisse-moi te dire ceci pour conclure. Comment laisser vivre? Comment laisser prospérer le vieil homme qui se détruit, le vieil homme qui ne vit que par les convoitises charnelles, le vieil homme qui ne vit que sous l'influence du péché et de Satan? Comment le laisser dominer? Comment lui donner de l'espace? Comment lui donner même un seul bout d'espace quand en nous, Dieu a créé cette nouvelle personne, cette nouvelle créature si magnifique? Quand il y a en nous un homme nouveau, un homme créé selon Dieu, un homme créé béni, un homme créé justifié, un homme créé plein d'amour. Bien-aimés, revêtons-nous de l'homme nouveau, revêtons-nous de la nouvelle créature. Je prie que le Seigneur apporte un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de sa parole. Que les yeux de ton cœur soient illuminés, que les oreilles de ton cœur soient illuminées, que tu vois et que tu reçoives la révélation de la nouvelle création qui est en toi. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle page s'ouvre dans ta vie. Une nouvelle porte s'ouvre dans ta vie. Tu vis avec la grâce, l'onction, la bénédiction de la nouvelle créature. Au nom de Jésus.